Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loptet tout. Comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec un record, le plus grand nombre de gunstreaks solo encore, qui est de 47. Donc, ce n'est pas un record mondial, étant donné, je crois qu'un mec a fait 57 gunstreaks. Donc, j'ai fait 47. J'aurais pu vous sortir la double nucléaire solo. Malheureusement, je l'ai fait la 3 kills, tout simplement parce que les alliés vont. Comment s'appelle les alliés? Ouais, vont triple cap, et en plus de ça, les ennemis vont rage quitter. Donc ça va être très embêtant pour moi. Je vais avoir un peu de chance vers la fin de la première mi-temps, lorsque quelqu'un aurait pu me tuer, lorsque j'avais plus de munitions, ce qui va me permettre de continuer ma série Gunstreak, faire un 47-0, donc une partie perfecte sur Precinct. Donc j'étais avec la NV4, bien évidemment avec l'arme nucléaire, je sais plus du tout comment s'appelle l'arme, veuillez m'excuser d'avance, tout simplement parce que j'apprends pas par cœur les variantes d'armes là-dessus. Et en tout cas, j'espère que le gameplay vous fera plaisir. J'espère que tu mettras un maximum de likes et de commentaires pour peut-être féliciter, etc. Et partager la vidéo au maximum, autant que ça soit sur Twitter ou sur Facebook. Je pense, pour ceux qui suivent énormément Twitter en ce moment, YouTube déconne un maximum. C'est-à-dire qu'il y a personne, il y a beaucoup de personnes, excusez-moi, qui uploadent des vidéos et qui perdent tout simplement des abonnés. C'est ce qui m'arrive. Lorsque j'upload chaque fois une vidéo, je perds environ une quinzaine d'abonnés tout d'un coup et j'en gagne 30 de la journée. Ça veut dire que ça fait à peu près la moitié des abonnés que je perds par jour lorsque j'upload une vidéo, mais tout simplement que j'ai quand même envie de continuer à vous faire des vidéos, autant que ça soit sur IW, Code 4, et même peut-être un possible retour sur Call of Duty Black Ops 3. Donc c'est très embêtant de vous faire des vidéos, sachant que tu perds des abonnés, sachant que tu n'as rien fait. Parce que moi, franchement, la première fois quand je perdais des abonnés, je me suis dit, attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie, quelqu'un fait une vidéo sur moi, et j'ai fait quoi? Franchement, j'étais en mode victime, limite. J'étais en mode victime, en mode, mais qu'est-ce qui arrive, bordel de merde? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie, qu'est-ce que j'ai fait? Faut tout de suite me dire quelle est la connerie que j'ai pu faire, ou quel est l'abruti en question qui parle mal de moi. Et franchement, en fait, quand j'ai vu toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube en ce moment, et c'est vrai que ça déconne un maximum, et c'est franchement juste horrible d'essayer de continuer et de garder cette motivation de vous faire les vidéos. Malheureusement, c'est comme ça, malheureusement, il faut faire ainsi, en espérant que ce glitch, parce qu'à ce qui paraît, c'est un glitch, qui malheureusement détruit un peu cette motivation de faire des vidéos, même si vous voyez que les vidéos elles font pas autant de vues que je pourrais faire au niveau de Black Ops 3, parce que c'est vrai qu'au niveau de Black Ops 3, niveau fin de Black Ops 3, je vous faisais du 10K vues avec des sujets voilà tout aussi intéressants que là maintenant, et finalement bah les gens peut-être sont moins intéressés par IW, ça, cela se ressent également sur Twitter. Quand je dis est-ce que vous voulez du IW, beaucoup de gens me répondent non, beaucoup de gens me répondent oui, et finalement je me retrouve avec une communauté assez mitigée là-dessus, ce qui est fort embêtant pour moi étant donné que je fais de la performance sur tous les Call of Duty, et forcément IW, bah je vais pas le lâcher pour autant. Donc c'est quand même assez embêtant, même si le jeu se fait énormément critiquer. C'est vrai que petit à petit je l'ai détesté, hein, ce IW, je voulais même faire plusieurs vidéos coup de gueule là-dessus avec tous les problèmes qu'il y a. Mais vous inquiétez pas, il y aura quand même une vidéo où je vous expliquerai, où je vous expliquerai, excusez-moi, tous les problèmes que IW a, et que tous les problèmes qu'ils auraient pu éviter pour faire un meilleur Call of Duty. Mais bon, sur le coup, il est pas si mauvais que ça en fait. Je commence sérieusement à l'apprécier petit à petit, ce IW. Pourquoi? Parce que à force d'y jouer, à force de me prendre des bullshit, à force de me prendre des trucs qui sont totalement mais what the fuck, ben en fait j'ai tellement l'habitude que j'arrive plus à rager en fait sur ce jeu. Je n'arrive plus à rager, c'est-à-dire que je me prends un bullshit. D'un côté, tu sais, t'es un peu énervé, mais tu peux pas être aussi énervé que si tu prenais une connerie sur Black Ops 3. En fait, je m'énerve beaucoup moins parce que je suis tellement habitué à me prendre n'importe quoi qu'à force tu l'acceptes. Et c'est con, hein, c'est con à dire, c'est totalement débile comme raisonnement au final, parce que tu dirais par rapport à un autre Call of que cela n'arrivera jamais, et ben finalement tu l'acceptes sur ce Call of Duty. Tu l'acceptes et tu fais avec tout simplement, et t'évites ce genre de situation en rushant trop, etc. Enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le gameplay vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de commentaires et de partages pour ce record francophone, 47 Gunstreak solo encore, je vois beaucoup de personnes en hardcore, ça on en a déjà parlé, mais enfin bref, ciao ciao.